veut dire que c'est seulement l'arrivée sur la frontière Haïti avec Dominique qui n'a pas gagné, mais il ne faut pas dire Haïti son ville. Il faut dire que tout Haïti est entouré à la mer. Des points. Sona puis jusqu'à la pointe sud de la mer. Je ne sais pas ça. Même si je l'ai monté, comme si moi j'ai tellement monté, je vais imaginer la même bras. Parce que moi je vais dans la montagne, je vais monter. Attitude là vraiment, où je vais dormir. En tout cas, on va à Cormier. On va passer une heure seulement à la plage parce que Asunta a son vol cet après-midi et on vient d'arriver au Cap. Étant donné qu'on n'a rien d'autre à faire, on va se baigner à la mer, mais on doit faire très vite sinon Asunta va rater son vol. Il va devoir payer Sunrise pour justement et repartir demain. Et on veut éviter ça, on veut pas casser la tirelire de la dame, donc on va faire vite. Où est-ce que je vais dormir? Oui! Ça dit où tu l'as gagné, Bolo? La petite. Où tu as tellement petit, ça m'est grave. Mais c'est tout au Cap. La petite. Les rues sont tellement coincées. Ah oui. Où tu combien, Asunta, tu vas devoir vraiment. Non, tu conduis pas trop vite. Même route est tellement rapide, il y a un coup, oui. Mais c'est tellement beau la vue. Oui, monsieur, chérie. Ah, tu as vu nos câbles, les cuisses, nos câbles déjà. Tu connais. Ah, tu as vu ça, Tama. Il était fait ses jours, il monte et descend toute la cette journée. Notre boisson de bienvenue à Cormier, c'est de l'eau. des tortues. Des tortues. Oui. Il est là, il y a une carapace là et puis il y a une tête là. Ça me mange. Les tortues sont trop bizarres. Ok, là, nous allons aller déshabiller nous, on va mettre maillot de bain sur nous, on va virer les toilettes et puis on va profiter de la mer et du beau temps. Je suis avec, bon, pas mon meilleur maillot de bain parce que je n'aime pas trop ce maillot de bain. J'adore la couleur, les motifs et tout, mais voilà, je n'aime pas trop à cause de ce petit short là. J'aime pas trop. Je préfère les maillots de bain très échancrés et tout. Où je suis. On me croit très, très, très mise en avant. Mais je crois que j'avais pris ce maillot de bain pour les couleurs. Mais je vais bien, bien, bien profiter. Ok, je vais à la mer. Je reviens. Je suis en train de me faire un petit lunch parce que j'ai très faim. J'ai voulu vraiment aller à la mer, mais mon ventre m'a rappelé à l'ordre. Du coup, avec quelques tablettes de chocolat, j'avais du pain. J'ai fini de prendre soin de moi, de mon corps, de mon ventre. Et ensuite, j'irai me baigner. J'ai pas raison. Peut-être que d'autres se baignent, moi, je mange. L'eau est tellement jolie. Je vais déposer le téléphone et je vais vraiment me baigner à fond. À tout à l'heure. Oh, la jolie tortue. Elle est venue prendre du soleil. Coucou, comment tu t'appelles?
Coucou. Laisse-moi faire une jolie photo de toi. Enlève l'eau salée. Et voilà, soleil, la mer, iced tea, l'été peut commencer. Donc voilà, on a passé un bon moment. Franchement, c'est peut-être 1h, 1h30, mais c'était un bon moment. Là, on va partir parce qu'on ne veut pas qu'Assunta rate son vol. On va l'emmener à l'aéroport et après, je ne sais pas. J'ai envie de faire mes ongles. J'ai même pas envie de vous montrer parce que mes ongles là sont dans un état déplorable. Depuis des jours, des semaines, je ne les ai pas fait. Du coup, je pense que une fois au Cap, je vais me trouver un petit salon pour faire mes ongles. Et puis, je ne sais pas encore. Là, tout va bien, tout va vraiment super bien. Je rends grâce pour tout ça, une semaine de travail au complet. Et un petit peu de détente. Vraiment, on ne peut rien souhaiter de mieux. Mais il y a une petite chose, c'est ma fille, elle me manque trop. Samedi dernier, donc, je savais que j'allais pas être présent pendant 2 semaines. Donc, je lui ai offert un petit moment. Entre nous deux, on est sortis, on a été faire plein de choses, du shopping, resto, etc. Et elle était vraiment très contente. J'espère que ce petit moment reste un souvenir pour elle et qu'elle pourra patienter en plus pour nous retrouver. Et acheter à manger, on va manger du lalo. Je sais pas, non, c'est mon au Cap qu'on fait lalo. On mange lalo déjà au Cap? Nope. Donc on va voir. Mais là, nous avons un bel petit restaurant. Hein? Mais ok. Les couleurs ne se disputent pas. Sachez-le. Quoi? Non, rien. Donc tu n'aimes pas? C'est parce que je connais la propriété. Hein? C'est joli. Il y a un beau petit branding, etc. Mais il manque de la musique, de la chaleur. Moi aussi, j'ai faim. C'est cool. Tu vas manger. Tu vas manger dans ma chaîne, non? On l'a conduit, on l'a conduit. Comment tu conduit? Allô? Bon les gars, il paraît que ça a changé de propriétaire, je sais pas trop, mais le lalo n'était pas top. Bye Asun. Bye. Tu vas nous manquer. Vous allez pas me manquer. Ah mais pour Lynx, on l'embarque. Ok, embarquez-moi. J'amène la mallette de Asunta. J'ai jamais été aussi fatiguée. J'étais littéralement en train de m'écrouler. Ok? Et là, il y a une moustique. Ah. On a choisi l'hôtel du roi Christophe que j'aime beaucoup. Ça fait la 2e fois que je suis hébergée là. Et franchement, j'adore. J'adore beaucoup le personnel qui est très au petit soin pour tout le monde. Et puis. Je crois que je vous en avais déjà parlé dans un vlog, mais vraiment la décoration, la literie, le mobilier, tout est parfait ici. J'adore me retrouver ici. Il y a une piscine, il y a de l'ambiance et tout. Oh, franchement, j'adore. Donc, j'espère me reposer parce que là, je vais prendre un bain. Et puis, je vais vraiment faire une petite somme, une bonne sieste et me réveiller plus tard. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire. Donc, j'adore être au Cap. Et surtout dans cette zone-là, il y a l'hôtel qui m'offre beaucoup d'ambiance, ok? Mais aussi,
Il y a le boulevard tout près. Oh, il y a Cap Deli, il y a Boucanier, il y a tout un choix de petits bars, tu vois, à arpenter cette nuit. Donc, je vais me distraire, je vais me balader. Voilà, c'est une petite heure de vacances, c'est une petite nuit que je vais m'accorder. Donc, je vais m'endormir pour le moment. Et la chambre est trop, trop jolie. Je vais vous montrer tout à l'heure. Tout à l'heure. Et j'ai pas fait mes ongles. Je pense que je vais les faire demain matin. Parce que franchement, je sais pas. Je suis pas sûre que j'aurai le temps de les faire. Parce que sinon, je devrais sortir maintenant pour aller faire mes ongles. Et là, j'ai vraiment envie de dormir. J'ai pas encore envie aussi ce truc de cormier. Je vais me baigner, donc je vais enlever ça tout à l'heure. Et puis, voilà. À tout à l'heure. Je parle tôt. Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Aïcha, Aïcha, réponds-moi. Ouais. Je jouais la musique du ciel. Je prendrai les rayons. Waouh, il connaît les mots. Vous avez deviné, je ne suis pas sortie. Et du coup, je me suis affalée devant la télé. Là, je regarde. N'oubliez pas les paroles. Avant, j'ai regardé un petit docu sur les croisières, les sucres des croisières, etc. Et bon, j'ai commandé à manger, j'attends. Et je suis devenue une mamie. Moi, qui tout à l'heure voulais sortir, m'ambiancer, etc. J'ai juste envie de rester couché là toute la soirée et de bien profiter de la télé parce que, tu vois, je chiale, ma fille me manque, toute ma famille me manque, etc. Et je sais pas, j'ai pas vraiment envie de faire la fête. Je n'ai pas envie de sortir, de m'apprêter. Oh, en ce moment, je ne fais pas vraiment d'efforts avec moi. Je ne porte pas de boucles d'oreilles. J'ai besoin de m'hydrater la peau, de faire des soins. Les cheveux, je dois faire quelque chose avec. Bon, si je vous ai jamais dit que j'ai coupé mes dreadlocks. Ok. Si vous êtes au choc pour vous, mais oui, j'ai coupé mes dreadlocks. Donc, ça, c'est ma vie un samedi soir au Cap-Haïtien. Mon petit repas est arrivé. Alors, on ne fait pas le room service, mais on m'a dit, comme j'ai demandé gentiment, on va faire ça pour moi, on va me rendre ce service. Et je suis trop contente parce que, comme je vous dis, je me sens vraiment un peu fatiguée. Donc, je vais m'installer, regarder la télé et dîner tranquillement. Ok. Bon, j'étais en train de faire ma petite toilette avant d'aller prendre mon petit déj. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Voilà, une petite chose vient de m'arriver. Je cherche le savon. Moi, je croyais que ça, c'était une petite décoration, ok? Et c'était enveloppé dans un petit paquet transparent et tout. Mais je pensais que c'était en fait une déco. Et quand je suis allée me chercher lui, je me dis, mais attends, laissez-moi essayer. Et ça, c'est vraiment le savon. Une petite banane. C'est tout stylé. Voici Colex qui arrive. Bonjour. C'est le moment du petit déjeuner. Sans besoin? 39 cages. Voici mon starter pack. Du dimanche matin, c'est fini. Je viens prendre mon petit déjeuner. J'ai mes médocs,
Là, je me suis installée près de la piscine. Ok. Et je vais méditer, faire mon mandala, écrire dans mon journal et tout. Donc, du coup, j'ai apporté mon petit verre de jus du petit déjeuner que j'ai pas bu encore. J'ai mes petites gommes et puis je vais prendre mes médocs. Et voilà. C'est comme ça que je vais passer mon dimanche matin. Étant donné que je dois remettre la chambre vers midi, donc j'irai faire mes ongles à midi. Donc, aller sur la chambre, j'irai faire mes ongles et ensuite. Je vais être logée quelque part d'autre pour la semaine. Voilà. Et elle me demande à quelle matin.